Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette recette à suivre de Mando. Il y a plein de femmes qui m'ont demandé comment faire pour que le yaourt soit bien bien gluant là. Donc voici ma recette. On va sur la base de 500 g de lait en poudre Nido. Vous allez prendre 1 à 1 litre et demi d'eau tiède. Vous allez venir faire délayer les 500 g de la poudre de lait là dans de l'eau. Voilà. Et vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de yaourt naturel. Voilà ici. Et on va bien mélanger comme ça. Puis la prochaine étape, c'est de filtrer pour récupérer les grumeaux là. Je vais couvrir et laisser reposer toute la nuit. Nous sommes au lendemain. Je crois que mon lait est bien caillé. Ça va bien tirer comme ça. Voici, on va faire le test. Et les sauces longues même n'a rien fait. Sauce longue n'a rien fait. Qu'on va mélanger là, ça va faire don. Et pito pito comme ça. Lait peut être pito pito comme ça. Hein? Donc, voici le résultat. Oh, voici le résultat. Je vais utiliser ce lait-là pour faire le yaourt goto. Parce que dans la précédente vidéo de yaourt goto, il y avait tellement d'ingrédients que les femmes la demandaient pour la vente. Là, comment elles peuvent faire quoi? Pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On va faire la recette simple. Donc, voici petit verset biblique pour vous. Oh. On se dira bye bye. Je suis allée sur la base de 500 g de lait en poudre, mais j'ai pas utilisé 500 g, j'ai pris moins que ça.